est une institution à but non lucratif. Elle a pour mission la promotion de la recherche scientifique et le développement technologique. Depuis sa création en 2007, elle offre une alternative optimale aux industriels pour innover dans leur domaine d'activité en minimisant le risque lié à l'investissement en R&D. Son offre de collaboration permet de développer des partenariats gagnant-gagnant. Macer offre des solutions innovantes et rentables à ses partenaires. Pour cela, la Fondation dispose d'équipements à la pointe de la technologie et des compétences humaines de haut niveau. Macer mène des projets de R&D sur mesure répondant aux besoins de l'industrie dans trois pôles de recherche: la biotechnologie, la microélectronique et les matériaux. Dotée d'une équipe de chercheurs experts et d'une plateforme à la pointe de la technologie, les travaux du Centre de biotechnologie médicale portent sur le développement des premiers kits 100% marocains, innovants et à bas coût. Ces kits permettent le dépistage et le diagnostic de certains types de cancers, de maladies auto-immunes et de maladies infectieuses prédominantes au Maroc. Le Centre de la biotechnologie végétale mène quant à lui des projets orientés marché portant sur la biotechnologie des microalgues et l'agrobiotechnologie. Grâce à l'expertise de ses membres, le Centre biotechnologie végétale participe à des projets collaboratifs innovants. Il répond à des besoins de R&D en agriculture et agroalimentaire, énergie et environnement, santé et bien-être. L'équipe du Centre de microélectronique packaging réalise des travaux de recherche et de développement dans différents domaines industriels. Elle dispose d'une plateforme technologique de pointe, incluant d'une part des outils de conception et de simulation thermomécanique et électromagnétique, et d'autre part, un laboratoire d'assemblage et de test des composants et des cartes électroniques. L'équipe microélectronique système embarqué travaille principalement sur trois thématiques: le traitement des images et vidéos, le contrôle et mesure, et les radars ultra-large-bande. Le centre composite et nanocomposite développe de nouveaux matériaux à base de polymères qui répondent à des exigences industrielles et environnementales. Le centre travaille aussi sur la synthèse de nouvelles molécules utilisées dans les additifs destinés à la plasturgie. Le centre optique photonique a pour objectif le développement et la mise en valeur de la filière optique photonique au Maroc et en Afrique à travers des projets socio-économiques. Il mène des recherches approfondies dans le domaine de la nanotechnologie pour différentes applications: énergie renouvelable, médecine et biologie, ainsi que les technologies de l'information. Le Centre Matériaux et Nanomatériaux développe des projets de recherche dans les domaines de valorisation des ressources naturelles, stockage et conversion de l'énergie et nanotechnologie pour la santé et l'environnement. Le Centre de durabilité et ingénierie des matériaux a pour principale mission l'évaluation de la durabilité des matériaux dans leur milieu de fonctionnement réel. Il travaille en étroite collaboration avec l'industrie afin d'optimiser le choix des matériaux, d'augmenter la durée de vie des composants et de réduire les coûts de la maintenance. Le Centre Varena mène des projets basés sur une approche pluridisciplinaire des matériaux, biomatériaux et de la catalyse par le design. L'équipe du Centre Varena dispose d'expertises variées en chimie verte, en synthèse organique, en chimie des matériaux phosphatés, en catalyse et en photocatalyse. La pluridisciplinarité des équipes doublées d'un travail en synergie permet à Macer d'offrir des solutions innovantes aux industriels. Macer s'inscrit dans les stratégies nationales en menant des projets R&D appliqués aux domaines de l'agriculture et l'agroalimentaire, l'énergie et l'environnement, la santé, le transport et la valorisation des ressources naturelles. Macer, la R&D au service de l'industrie et l'économie nationale.